Quel groupe est composé de 10 éléphants Alors ce premier groupe-là, ben, il y a un, deux éléphants, donc ce n'est pas celui-là. Ici, il faut compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a 13 éléphants dans ce groupe euh, rose qui est là, donc ça ne va pas. Nous, nous, on en veut 10. Alors on a une dernière chance avec la boîte bleue qui est là. Le groupe bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'est bon, c'est celui-ci. Voilà, je clique là et je vérifie la réponse. Ça marche. On continue. Alors, quel groupe est composé de deux glands Bon, là, on peut aller un peu plus vite. Ici, il y en a beaucoup plus que deux, donc ce n'est pas celui-là. On peut compter si tu veux. Il y en a huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Là, tu peux le voir tout de suite peut-être. Il y en a trois. Un, deux, trois. Donc ce n'est pas celui-là non plus. Et donc, il nous reste celui-là. Effectivement, là, il y en a deux. Un et deux. Donc ça, c'est le bon. C'est le groupe composé de deux glands. On vérifie. Ça marche. Allez, on continue un dernier. Combien y a-t-il de fleurs Alors, ben là, il faut tout simplement les compter. Alors, une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs, cinq fleurs. Donc là, il y a cinq fleurs. Et voilà.